Salut à tous, c'est Dario de la chaîne Créer sa propre musique, la chaîne de conseils pour ta musique. Comme d'hab, si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, il y a un cadeau qui t'attend dans la description. C'est le Starter Kit, un pack de samples gratuit que je t'offre avec kick, snare, hi-hat, 808 instruments. Tout s'affiche à l'écran, donc n'hésite pas. Mets sur pause, télécharge-le, reviens, moi j'aurais pas bougé. Je voulais vous faire une vidéo sur l'équalisation, vous montrer un peu différents principes, vous montrer comment j'équalise mes éléments dans un projet. J'ai commencé une prod ici, elle n'est pas encore terminée, mais je vais déjà, avec les quelques sonorités qui la composent, vous montrer ça. Mais d'abord, on va répondre à la question, qu'est-ce que c'est équaliser et à quoi ça sert d'équaliser ces éléments. Donc, pour équaliser, c'est pas vraiment compliqué, il vous suffit d'ouvrir un equalizer sur le rack de mixeur de chacune de vos sonorités. On a le Fruity paramétrique EQ2 qui fait parfaitement le boulot. Et basiquement, il va nous permettre de remodeler le son, la sonorité. Donc on va pouvoir atténuer certaines fréquences, booster d'autres fréquences. Et l'idée, bah, c'est tout simplement de sublimer le mélange général, de faire en sorte que ça soit plus beau. Par exemple, sur certaines sonorités comme des percussions, on va essayer de les rendre encore plus percutantes. Par exemple, sur un snare, on va pouvoir doser la quantité de haute fréquence, de fréquence aiguë qu'on a dans le snare. On va pouvoir étouffer ou au contraire faire respirer. Enfin, je vais vous montrer tout ça, ce sera plus évident que d'en parler. Donc on va commencer dans l'ordre où j'ai mes éléments. Donc en premier, j'ai un piano, un e-piano que j'ai utilisé sur Nexus. Voilà. Alors attention, sur Nexus, si vous activez la reverb de Nexus ici, faut savoir qu'elle va s'appliquer sur la sonorité avant l'equalizer. Ça fait que vous allez equaliser la reverb avec. Donc si vous savez ce que vous faites en soi, c'est pas dramatique. Mais il faut le savoir. Voilà, il y en a certains qui trouveraient ça scandaleux ou ça se fait pas, etc. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de règle, seul le résultat compte. Mais il faut tout faire en connaissance de cause. Voilà. Donc, un autre point important, on n'équalise pas les sonorités en les écoutant en solo. Ok ? On équalise en contexte, en écoutant tous les instruments. Parce que sinon, vous risquez d'en faire trop ou d'en faire trop peu. Si j'écoute par exemple mon piano en solo, je vais peut-être trouver qu'il a, il a trop de fréquences graves, donc je vais lui couper, là j'exagère vraiment, je caricature, je vais lui couper les basses comme ceci, et alors qu'en fait, si j'écoute toutes mes sonorités ensemble, je vais m'apercevoir que dans le morceau ça manque un peu de basses fréquences, donc il aurait fallu que j'en laisse un peu plus. Donc là c'est un exemple vraiment caricatural que je viens de vous donner. Mais voilà l'idée, je pense que vous avez compris, on écoute toutes les sonorités, on équalise en contexte. Voilà. Donc je vais parler beaucoup moins maintenant, parce que sinon le retour de ma voix dans le casque va me gêner. Je vais équaliser, puis je ferai des petites pauses pour vous expliquer ce que je fais. Je vais commencer donc dans l'ordre qu'on voit, piano, lead, shaker, bass, kick, snare. C'est parti. Ok, donc voilà, moi j'aime bien de torturer un peu ma sonorité. J'applique pas toujours les mêmes traitements sur chaque piano, sur chaque kick, etc. La première chose que je fais, bah, c'est d'essayer de voir s'il y a des basses, très basses fréquences à couper et des très hautes fréquences à couper.
Donc, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous montrer l'intérêt de couper les fréquences résiduelles comme ça. C'était une expérience un peu fun dans laquelle j'avais conservé justement uniquement ces parties qu'il est préférable de supprimer pour vous faire écouter tous les bruits résiduels que vous conservez si vous ne faites pas ça. Et ça ajoute vraiment du flou au mix, donc faut pas hésiter à encadrer comme ça les sonorités. Attention à pas couper trop ici, sinon vous allez étouffer la sonorité, si c'est fait exprès, si c'est voulu, d'accord. Mais sinon, il faut conserver de l'air, des fréquences ici dans les trebles. Voilà. Donc moi, j'ai juste boosté un peu ici. On est déjà dans les hautes fréquences. J'ai coupé dans les subs. Et j'ai retiré comme ça deux bandes plus étroites parce que je trouvais que ça amenait quelque chose qui n'était pas agréable à l'oreille. Une petite fréquence de résonance ici. Et là, une petite accumulation désagréable. Donc j'ai atténué. Un petit peu ça, voilà pour le E piano. Maintenant on va enchaîner sur le lead. Pareil, petit nettoyage, petit boost sur l'espèce de lead là. Donc Miami Brass sur contact. Voilà. Pas bien compliqué. Alors il y a quelque chose que je voulais vous dire. On n'équalise pas les sonorités de type kick, snare, hat de la même façon que les instruments de type piano, lead, violon, etc. Souvent dans les sonorités de percussion, on va jouer une seule note, donc on va pouvoir se permettre de venir booster des bandes de fréquences qui vont être plus fines. On va pouvoir faire de la précision, parce que vu qu'il n'y a qu'une note qui est jouée, c'est toujours ces bandes de fréquences-là qui vont entrer en action, et ça va avoir une vraie utilité de faire des boosts plus ciblés comme ça sur des éléments de percussion. Alors que sur un piano, en fonction de la note qui sera jouée ou des notes qui seront jouées, évidemment, on va se servir de pas mal de fréquences différentes. Donc un boost sur une bande comme ça, très étroite, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est même un peu kamikaze, un peu risqué. Parce qu'en fonction de ce que votre piano va jouer, vous risquez par moment d'avoir un effet intéressant et par d'autres moments un effet désagréable. Donc sur les sonorités instruments, on va plutôt essayer de booster des zones larges qui vont impacter plusieurs notes et pas des fines bandes comme ceci. Ok ? Voilà. Donc pour le kick, on a plusieurs zones qui sont intéressantes. On a une zone ici dans les subs et à la porte des subs, donc qui va être plutôt représentative dans la sonorité du coup de basse qu'on peut avoir dans le kick. Vous savez, vraiment le boom quoi, boom. Voilà, on a une bande de fréquence qui peut être intéressante ici dans les basses pour aider le kick à percer le mix. Donc on va l'éclaircir un peu avec cette bande, on va lui donner un côté plus percutant. Et on a des bandes de fréquence comme ça dans les très hautes, ici dans les high mid et même dans les trebles sur certains kicks. Après, toutes les sonorités ne fonctionnent pas de la même façon, on n'utilise pas les mêmes fréquences. Mais voilà, basiquement, les quatre bandes de fréquences qui vont vous être utiles
évidemment à ajuster. Ici, je le fais sans écouter le kick. Maintenant, on va le faire en contexte. D'intéressant à dire pour le kick, bon j'ai pas terminé, je vais continuer après. On a parfois ce qu'on appelle les fréquences carton, ici niveau basse, low mid, donc vous balayez un peu, vous allez tomber dessus. Fréquence pas toujours très esthétique, donc pas hésiter à balayer pour les trouver et les atténuer un peu. Avec ces deux, le point 5 et le 6, ces deux bandes de fréquence, on va vraiment chercher à éclaircir le kick, d'autant plus que c'est un kick qui contient un peu de gras, écoutez. Et c'est vraiment avec ces deux bandes de fréquence qu'on va pouvoir doser la quantité de gras dans le kick, si je peux dire comme ça. Ok, voilà pour le kick. On va passer à... Attendez. Pourquoi pas. Donc là, à la basse. La basse, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à faire sur cette basse. On va écouter. Donc si vous voulez, dans une basse, basiquement... pardon. Les fréquences utilisées, c'est au niveau du sub et de la basse, les fréquences principales. Donc là-dessus, si on booste, on va tout simplement avoir un effet de volume augmenté. Et le truc, c'est que sur certaines basses, ça dépend après. En venant flatter certaines fréquences ici dans les low mid et les mid, on va pouvoir accentuer, comment est-ce que je pourrais dire, ça va dépendre un peu de la sonorité, mais parfois ça va être du grain si c'est une basse qui est un peu saturée. Parfois le côté un peu corde, comme ça qu'on peut avoir sur une vraie basse en fait. Donc l'idée c'est pas d'étouffer la basse comme ceci, comme je vois parfois des personnes faire ces fréquences-là. Dans certains cas, sur des subs, sur des 808, vous pouvez les diminuer un peu comme ceci. Mais en tous les cas, quand vous étouffez une basse, on l'entend et elle perd pas mal de peps, si je peux dire comme ça.
surtout si elle est saturée. Donc voilà, ici on va voir ce qu'on peut faire. Ici on ajoute un petit peps, un petit choc à chaque note de basse qui est jouée. Voilà, je vais pas en faire plus sur cette basse. Le shaker. Shaker, basiquement, on va nettoyer tout ce qui est basse fréquence et peut-être venir booster un peu sur une zone. Sur ce qui est hat, shaker, etc. Si vous faites un boost sur une fréquence très fine au niveau des trebles, vous allez vraiment lui donner un aspect plus percutant, mais un côté un peu métallique aussi. Donc ça peut être utile, ça peut être fait exprès. Mais attention à ça, il n'y a pas encore une fois de principe tout établi. Certaines sonorités, il n'y a même pas besoin d'y toucher, elles sont déjà super propres, super ajustées. Évidemment, en boostant une zone comme ça, si vous vous déplacez un peu, vous allez avoir l'impression qu'on modifie le pitch de la note. C'est normal vu que, ça on n'en a pas parlé, mais à chaque note correspond une fréquence bien précise. Donc forcément, si on flatte une fréquence plus qu'une autre, c'est que c'est un peu comme si on changeait la note du hat, du shaker ou même du kick ou du snare d'ailleurs. Donc voilà. Moi, je ne vais pas lui donner un côté trop métallique ici. Je vais simplement faire un petit boost comme ceci. J'aime bien le rendu. Et on va passer à la suite. Ok, next. Next, next. On va faire le snare. Donc le snare, basiquement, on va un peu le travailler comme le kick. C'est-à-dire qu'on va essayer de lui donner de la percutance et on va peut-être l'éclaircir un peu. Lui donner un peu de corps aussi. Donc il y a un principe qui peut être intéressant à être expliqué. Vous voyez que quand j'ouvre une sonorité, la première chose que je fais, c'est d'essayer de trouver des points intéressants. Alors j'exagère, je vais un peu loin comme ça, mais c'est justement pour essayer de détecter des zones, les zones les plus utiles, si je peux dire comme ça, les fréquences les plus utiles sur ma sonorité. Et c'est ça que je voulais vous dire. En fait, quel que soit l'effet que vous allez utiliser, que ce soit une reverb, que ce soit un equalizer, un compresseur ou quoi, Si vous ne savez pas trop comment l'ajuster, une chose que vous pouvez toujours faire, c'est d'exagérer le réglage, comme ceci par exemple sur l'equalizer, le temps de trouver la zone où c'est intéressant, et ensuite vous venez simplement doser, vous diminuer comme ça progressivement, et jusqu'à obtenir l'effet escompté. Voilà.
n'hésitez pas aussi à faire des avant-après une fois que vous avez corrigé quelque chose pour voir si c'était vraiment utile. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous reste à équaliser? Je pense qu'on a, on a fait le tour en fait. Ça a été assez vite, en même temps il n'y a pas beaucoup de sonorités dans ce projet, c'est un début de projet vraiment. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, je pense que je vous ai parlé d'à peu près tout, toutes les sonorités. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aurait été utile, que vous aurez appris des choses intéressantes. Et si vous avez des choses que vous voulez qu'on voit, des points bien précis, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Ici, l'équalisation, ça avait été demandé en commentaire. Donc ça me fera plaisir de vous faire une vidéo sur le sujet. Parfois, je ne réponds pas à certains commentaires ou je ne fais pas de vidéo, tout simplement parce qu'on a déjà parlé du sujet sur la chaîne. Croyez pas que je passe à côté du commentaire ou que je le nie ou quoi que ce soit. Je le vois. Simplement, j'ai la flemme parce que sincèrement, il y a des fois des questions qui reviennent 100 fois. Par exemple, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment télécharger illégalement Nexus. Posez plutôt cette question-là à Google. Moi, j'ai pas envie de répondre à ça sur la chaîne comme ça. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Comme d'hab, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, le starter kit vous attend dans la description. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, il y a ceci aussi dans la description. Des drum kits, des formations, ça évolue à chaque fois, donc il faut voir au moment où je dis ça, où ça en est, vous regardez dans la description, et vous aurez toutes les infos. Voilà, je vous dis à très bientôt, peace.